Bonjour, je suis le pasteur Alain Caron et voici Jean-Pierre Leroux. Nous sommes sur les terrains de l'Église Le Chemin pour notre levée de fonds pour le projet Un Toit pour Haïti. Aujourd'hui, en fait, c'est une vente de garage, barbecue, lave-auto, salon de coiffure, etc. Et l'objectif, naturellement, c'est d'amasser 25 000 $ pour mettre un toit sur l'Église évangélique unie à Port-au-Prince. Jean-Pierre, jusqu'à maintenant, toi qui organises l'ensemble, est-ce que tu es satisfait de la journée? Ça va super bien. On a ramassé beaucoup. On a beaucoup de dons qui sont entrés et puis on s'enligne pour avoir notre 25 000 $ d'ici la fin de l'année définitive. Ah ben ça, ça va être une bonne nouvelle pour nos amis d'Haïti. Alors ici, on a toutes nos tables de vente. Comme vous voyez, on a beaucoup de matériel, beaucoup de stock. Et puis, c'est pas terminé, on continue demain. Ça semble aller assez bien avant même qu'on ouvre ce matin. On devait ouvrir à 8 heures. Il y avait du monde ici à 7 heures. Hier, on n'avait pas ouvert encore. Il y avait déjà des gens qui voulaient commencer à magasiner. On a débuté notre installation hier. Ben et moi, on était debout à 6h, 6h30. On a commencé à charrier du stock et à sortir des tables. Jean-Paul, Julie nous ont aidés énormément. Après ça, les bénévoles sont arrivés mettre des prix. Puis on a rappé tout ça. Alors, autre activité pour un toit pour Haïti, on a fait un car wash. Alors, on a l'équipe de jeunes de l'église qui travaille là-dessus. Ils ont travaillé là-dessus depuis ce matin. Alors ici à l'intérieur, on a aussi beaucoup de choses. On a tout ce qui est garniture, maquillage. Donc tout ça encore, c'est des fonds qu'on ramasse pour un toit pour Haïti. Si vous regardez ici sur l'autre côté, on a notre banque de bijoux. Et puis quand on parle de bijoux, on ne parle pas de elle. Là, ici, on parle de la famille. C'est un bijou, c'est bien dans le fond. Et dans le fond, on a ici une table pour prière et les autres là dans le fond. Donc ici, on a notre salon de coiffure. Alors tous les dons qu'on ramasse ici, un autre don, encore des dons qui vont aller pour un toit pour Haïti. Et puis on veut vraiment remercier tout notre personnel pour le travail excellent qu'ils font. Super, ça c'est bien. Oui, c'est bien. Ah, oh, merci. Finalement, pour notre projet Un Toit pour Haïti, on a une artiste de la région, Mme Nicole Galibeau, qui a fait cette toile d'une valeur de 500 $ et on fait tirer on va faire tirer la toile, on vend des coupons pour le tirage. Alors, c'est une des dernières choses qu'on fait pour Un Toit pour Haïti pour cette fin de semaine spéciale. Qu'est-ce que j'en pense? Wow, moi, je reviens pas comment est-ce que le Seigneur a pourvu pour tout ce qu'on avait besoin. J'ai jamais vu tant de stuff, tous les gens qui ont participé sont venus apporter quelque chose. La nourriture même qui a été donnée, j'en reviens pas que ça a été donné. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là, à ça. Come shake the ground with the sound.